Sabrina de la SPA de Limoges, donc accompagnée par Miss Petite. Petite Jack Russell. Oh là là, c'est le canapé aussi, petite mémère. Elle a quel âge, cette Miss ? Elle a 12 ans. Miss, elle a 12 ans. Elle est donc du coup croisée de Jack Russell. Elle est super affectueuse, elle est gentille, elle est douce. Elle a un petit peu peur des chiens plus grands qu'elle, parce que... Parce qu'elle est quand même pas bien grande. Elle est bien grande, donc elle aura boit un peu dessus. Sinon, elle, est, bah, elle aime bien les chats. Oui. Donc elle est plutôt facile à vivre, parce que je dirais. Jack Russell, parfois, c'est un, des caractères un peu difficiles. Il faut les cadrer, quoi. Elle est zen. Franchement, à part les chiens un peu plus grands qu'elle, elle est zen. Oui. Son petit moins, c'est bah, malheureusement, elle a un souffle au cœur. Oui. Donc une pathologie cardiaque qui devrait être traitée jusqu'à la fin de sa vie. Oui. Et puis elle a 12 ans, elle n'est pas toute jeune, cette petite Mais elle a la pêche, hein. Elle a la pêche. Elle a la pêche. Oui. Donc c'est vrai que ça fait partie de, bah, de nous oublier un petit peu les chiens âgés qui ont une pathologie. Oui. On a quelques chiens comme ça qui sont oubliés. On n'a pas que ces vieux chiens aussi. Mais Marie, je crois qu'elle vous a adopté là. Oui, j'en ai deux. Ah, vous en avez déjà deux? Des chiens? Oui, des chiens. Qu'est-ce que vous avez comme chien? J'ai un petit bulldog français et puis un petit shih tzu. Bon, pas un troisième, non? Ça suffit? Je ne la regarde plus. Bah oui, c'est tentant. C'est tentant. Ah, c'est bon, bah alors n'hésitez pas. On les adopterait tous. Hein. Ouais, il faut donner un foyer à cette petite Miss. Vous avez d'autres animaux, évidemment, à l'adoption. Aujourd'hui, on présente aussi Tiwi, qui est un chat, un petit chaton. Un chaton tout noir, je crois. En mai 2022, tout noir. Ouais. Bah lui aussi, du coup, une pathologie connue. Il a atteint de coryza chronique. Oui. Donc, il devrait être placé sans autre chat, de préférence, rester en intérieur. Ça reste un chaton comme les autres, qui est super affectueux, qui est calme, mais voilà. D'accord, faut savoir. Hein. C'est pas contagieux à l'humain, mais avec les autres chats, oui. Et puis, il y a Praline aussi, qui est une chienne croisée berger. Oui, il y a Praline, elle a bientôt 4 ans, elle est énergique, joueuse, elle adore l'eau. Elle n'est pas OK avec les chats, avec ses congénères, il faudrait que ce soit un mâle cool. D'accord. Elle a 3 ans, vous dites ? Bientôt 4 ans. Bientôt 4 ans, d'accord. Elle n'est pas OK avec les chats. Elle n'est pas OK avec les chats, j'aime bien. C'est une belle formule. Elle n'est pas OK. Tant qu'elle est OK avec les humains, déjà. Elle est super OK avec les humains. Bon, bah super. Bon, vous allez à la SPA, bien sûr. Il y a des portes ouvertes, ça tombe bien. Il y a des portes ouvertes, bientôt. Donc, c'est les 17 et 18 décembre. Oui. Et il y a aussi le Noël des animaux, du 1er au 31 décembre, donc à partir d'aujourd'hui. Bah oui. C'est quoi le Noël des animaux ? Si on met un caddie à disposition dans certains magasins dont la liste sera du coup connue et notifiée sur le Facebook de la SPA, et vous déposez ce que vous voulez pour leur Noël. Et ben voilà, pensons à nos animaux pour Noël notamment. Ben merci beaucoup, on souhaite évidemment un foyer en tout cas à Miss et puis à tous les animaux, il y en a beaucoup trop à la SPA. Il y en a beaucoup trop. Ben oui, merci beaucoup Sabrina. Merci à vous. Et puis joyeux Noël si on ne se revoit pas d'ici là.